And as you're led by the Spirit of God, then you can ask for forgiveness back and forth. J'espère Nairobi et rentrer en contact avec ces gens. Il sera invité dans bientôt à Brazza pour un accord commun. Voilà ce qui nous attend. Every country has their powers over certain parts, principalities, authorities, and force, demonic force. May the Lord give you the strength to talk to them. May the heart of the people change. Que les esprits changent. May the spirit of the people change. Que tout le monde accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. May all people accept Jesus Christ as Lord and Savior. Et que notre pays soit délivré. In such a way, our country will be delivered. Amen. Amen. Beautiful. Wow. Même quand j'ai fait la restitution, il a demandé, il m'a dit, conseiller, Mokiri, Mokwazo, je lui parle. Je m'appelle Doktouvé Eloge Koy, secrétaire général du PCUD, le pays créé à la suite de, on va dire, la transformation de l'ex-mouvement anti-Balaka. Vous savez, on a eu une rencontre avec l'ONG et donc on était sorti de cette rencontre très satisfait parce que le message qui nous a été délivré par le fondateur de cette ONG, on l'avait jamais entendu. Et les témoignages même des activités qu'ils ont menées par exemple au Soudan, franchement on était touché par la profondeur du message. Et lorsque nous sommes sortis de cette rencontre, vous savez qu'on était en pourparlers pour la libération des otages. Okay? Et donc, c'est grâce à ce message, c'est grâce à cet outil. Et je pense que le conseiller vous dira ce qui a été fait par rapport à la suite de ce message et qui a conduit à la libération de cette humanitaire française. Le message délivré lors de notre rencontre le 22 a été bénéfique. Nous avons fait la restitution à la base. Au niveau du directoire du PCUD, du Parti Centrafricain pour l'Unité et le Développement, après qu'on avait transmis le message, c'est comme si Dieu était descendu sur la terre pour décanter la situation, pour libérer les deux otages. Dieu est grand. God is big. Et c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a facilité le travail pour finalement donner la liberté à ces otages. Évidemment, il y avait Monseigneur Nzapalainga, la maire du 4e arrondissement, le président lui-même de notre parti. Personnellement, je jette des fleurs à l'ONG Bridge
comme un grand homme. Pourquoi je le dis comme ça? Simplement parce que le jour même où le message a été transmis, le message de Common Ground a été transmis à la base, les otages ont retrouvé la liberté. Et je rends encore grâce à Dieu. I give thanks to God. Merci à Dieu. Thank God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Et cela ne s'est pas arrêté à ça. Parce que ce même jour, le président de notre parti nous a demandé de regagner la commission préparatoire du dialogue de Bangui. Nous avons repris les travaux et cela nous a conduit à une invitation du ministre de la Sécurité publique avec Monseigneur Nzapalainga, où on s'est convenu d'un travail commun. Faire revenir la paix. Et le ministre de la Sécurité publique s'est engagé donc pour ramener la paix à ne plus poursuivre les éléments anti-Balaka jusqu'à la réalisation du processus de la paix dans le cadre de la consultation populaire. S'il y a justice à faire, cette justice se fera après qu'on aura ramené la paix. Nous nous étions congratulés ce matin avec le ministre de la Sécurité publique, Monseigneur Nzapalainga et tout. Une rencontre a été prévue pour d'ici à deux jours, c'est-à-dire d'ici lundi, pour qu'un message soit lancé à l'endroit de la population du 4e arrondissement. Voilà, c'est pour vous dire que l'action menée par Bridge Common Ground a été très bénéfique pour le retour à la paix dans le cadre de la libération des deux otages. Pour terminer, je remercie Bridge Common Ground au nom du PCUID etc. Bravo. Merci. Yes. It takes great courage. Dieu a donné. Yes. Dieu a donné. Dieu a donné. Yes. Dieu a donné. Dieu a donné has joined us. Oh. Thank you so much. Yes.